C'est tout un programme, décidément. Alors, bienvenue dans la première review de la chaîne. J'ai voulu commencer par la Master System et plus particulièrement par un de ses derniers jeux, très marquant, pour être un des principaux concurrents de Zelda. Donc, Master System, pourquoi? Parce que c'est la première console que j'ai eue, donc ça m'a beaucoup beaucoup marqué. Et Golden Axe Warrior, c'est un des jeux que j'ai jamais fait à l'époque et qui, en réalité, est un excellent jeu. Dans le sens où c'est exactement comme Zelda, mais tout en mieux. Il n'y a pas grand chose à redire. Le jeu est sorti en 1991, donc il faut savoir qu'en 1991, Sonic 1 et la Mega Drive sortaient. Et c'est à ces moments-là que la Master System perd beaucoup de vitesse et que plus personne ne la vend en réalité, puisque la Mega Drive marche tout de suite et en gros, ça laisse très peu de personnes l'occasion de découvrir ce jeu. Qui est malheureusement excellent. Donc on va commencer tout de suite. Là, on retrouve le son caractéristique de la Master System qui est quand même. Qui a du cachet, on va dire ça comme ça, pour être gentil. On peut déjà constater une grosse différence par rapport à Zelda, c'est la résolution des lettres. On peut voir que le texte est vraiment très bien affiché, très, très propre. Donc voilà, Death Adder, c'est le grand méchant de la série Golden Axe. Golden Axe, pour rappel, c'est une très vieille série de Sega. C'est le premier, c'est un des jeux du lancement de la Mega Drive au Japon. Il y avait Golden Axe, il s'appelait juste Golden Axe en arcade et sur Mega Drive. Il est sorti en 89. 89, 91, ça fait très peu de temps entre le jeu d'arcade et ce jeu, donc ce jeu d'aventure. Donc là c'est une version anglaise que j'ai, il me semble pas qu'il y ait une traduction française mais je peux me tromper. Donc voilà, on est directement plongé dans le bain après une petite phrase d'introduction et on se rend compte évidemment que la vue de dessus, le déplacement du personnage, le fait qu'on ait des scrollings prédéfinis, on sent bien l'aspiration quand même. Malgré tout on n'est pas limité à un carré, on peut se déplacer vraiment librement, plus librement que dans un Zelda je trouve. Et voilà, on peut rentrer dans les maisons. On a déjà un système d'auberge, un système de magasin qu'on n'avait pas dans Zelda, notamment. On peut voir que vraiment l'aspect graphique est beaucoup plus travaillé qu'un Zelda. Je vais pas dire trop de mal de Zelda parce que je sens que je vais me prendre des commentaires d'orageux, mais je trouve que ce jeu est. Avec le recul, plus amusant qu'un Zelda, en fait. Enfin, plus amusant dans le sens où on sent qu'ils ont voulu mettre toute la bonne volonté du monde pour faire mieux que Zelda. Et ça se ressent quand même, parce que c'est réussi, en grande partie c'est quand même réussi. Il est très très beau, il est très très long. Il a des donjons extrêmement intéressants aussi. Donc là, on a la sauvegarde, parce que c'était un jeu évidemment qui prenait en charge la sauvegarde, parce que si on veut faire un Zelda Killer, il faut qu'on ait les sauvegardes dans notre jeu, sinon ça sert un peu à rien. Le gros problème, comme très souvent chez Sega, le jeu n'est pas traduit. En même temps, c'est un jeu kamikaze, il est sorti complètement dans l'oubli total, c'est-à-dire que même moi, étant fan mais total de la console de l'époque, j'en ai pas entendu parler de ce jeu. Et voilà, du coup, personne l'a acheté, forcément. Donc voilà, ça c'est l'auberge. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait un magasin, et là il y a la sauvegarde. Donc, on va aller directement au combat, pour vous montrer un des points noirs du jeu, parce qu'il y en a quand même. C'est la difficulté, qui est beaucoup plus haute que dans un Zelda. C'est pas évident de parler.
Les PNJ sont quand même assez importants. Ils peuvent nous donner des objets. On s'y attend pas, mais on peut avoir des objets très très importants de leur part. Voilà. Puis si on veut faire avancer le scénario, évidemment, il faut leur parler. Là, je joue sur une vraie Master System, une Master System 2. J'ai acquis le jeu sur, sur Price Minister pour 40€. Parce qu'il est très très rare, il est très 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 cher. C'est un des jeux les plus chers de la console. Parce que il a été fait à très peu d'exemplaires et forcément bah ce qui est rare est cher et ce jeu-là notamment il, voilà il part dans les 60€ peut-être quand vous trouvez à prix normal voilà. Et voilà 40€ c'est une affaire c'était il était en boîte sans notice donc vous avez dû le voir dans l'intro de toute façon. On peut voir que c'est assez compliqué de. Heureusement, les ennemis redonnent de la vie parfois. Je vais avancer encore un peu. Au pire, si je meurs, je vous montrerai dans une sauvegarde à quoi ressemblent les donjons, parce que je suis pas très très bon. J'ai jamais été très très bon à ce genre de jeu, et surtout celui-là. Que dire de plus? Ce jeu a. Malgré toutes ses qualités. Et reste. J'essaie de me concentrer pour pas mourir, c'est pas évident. En fait, ce qu'ils disent dans les let's play sur YouTube, c'est vrai. C'est que si on n'est pas concentré, on meurt. Et moi, j'ai vraiment pas envie de mourir parce que je vais vous montrer un maximum du jeu. C'est un jeu qui me tient assez à cœur. J'aurais peut-être pas dû le faire en premier, mais il est. Enfin, il est pour moi. Oulala. Un jeu majeur de la Master System. Je vais pas tarder à mourir. Voilà. Très bien. Pour vous montrer à quel point ça pardonne pas, quand on meurt, on recommence vraiment au dernier gros checkpoint du jeu. Donc c'est soit au début d'un donjon, soit au début du jeu. Et c'est toujours au même endroit en fait. Il y a quelques endroits dans la campagne où ça sauvegarde, entre guillemets. Et si vous sauvegardez pas et que vous quittez le jeu, c'est mort. Hein. Vous perdez tout. Progression et tout. Si vous n'avez pas dans une auberge pour sauvegarder, c'est possible. Donc faut faire vraiment, il faut avancer à tâtons, c'est une vraie aventure en fait. C'est un peu la différence avec Zelda où c'était un peu freestyle et on pouvait mourir, c'était pas très grave. Là, là le jeu il vous pardonne pas en fait. Ah j'ai ramassé de la magie, elle met beaucoup de temps à arriver. Dans ce jeu là, comme dans Zelda d'ailleurs, c'est pas les premiers items qui sont magiques. Bon, ok. C'est vraiment très très dur. Après évidemment, vous pouvez améliorer votre stuff, faire en sorte d'aller plus vite. Je crois que la carte du monde est même plus grande que dans Zelda. En gros, je pense que c'est simple, hein, la consigne que Sega a eue sur celui-là, c'est faites tout comme Zelda mais en plus grand. Et bah ils ont réussi. Bah, je trouve que là c'est vraiment pari réussi, quoi, parce que c'est très très grand. C'est très beau, c'est bien plus beau que Zelda. Enfin, Zelda, il est très très laid. À un œil d'aujourd'hui, Zelda, il est regardable sur NES, quoi. Alors que là, on a encore des graphismes 8 bits qui tiennent la route. Ah, ces boules-là, elles font super, super mal. Donc là, j'essaie d'avancer juste pour vous montrer un peu les décors, parce que je sais très bien que si je combats ici, je meurs mais à une vitesse. On a des ennemis volants. On a des ennemis qui lancent des boules de feu aussi. On a des mages. Des boss aussi, et dans chaque donjon on a un boss. Je pense que je vais prendre ma sauvegarde directement. Et encore une fois, c'est pas du tout du fanboyisme de dire qu'il est plus beau. Enfin, les jeux. Globalement, les jeux Master System étaient bien plus beaux que les jeux NES. Enfin, y a rien à dire là-dessus. C'était une console qui était bien plus en avance que la NES et la Master System. Voilà un exemple de donjon. C'est le deuxième donjon du jeu. Qui est pas super dur.
là on a des voilà, des ennemis qui commencent à être un peu plus coriaces et un peu plus... On a les portes qui se ferment derrière, on a des bombes aussi, on a un système de hache pour couper les arbres. Bon, c'est pas rapide. Est-ce que je vais continuer? Je sais plus où je retourne. Je retourne au début du donjon. Donc il y a des checkpoints qui sont disséminés un peu partout sur la carte, mais à aucun moment on vous dit... Enfin, à aucun moment vous pouvez comprendre où est-ce que vous allez recommencer après être mort, en fait. À part mourir, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens. Je joue aussi sur une Master System modifiée. Donc là, le jeu est en 60 Hz. Il est sorti, à ma connaissance, seulement en Europe et au Japon. Il n'est pas sorti aux États-Unis. Corrigez-moi dans les commentaires, mais il me semble réellement qu'il n'est pas sorti aux États-Unis. Et apparemment, c'est dans les reviews, anglaises qu'il a reçu des mauvaises reviews parce que ça ressemblait pas assez à Golden Axe. C'est là qu'on voit le contraste des tests d'avant et des tests de maintenant. C'est qu'on n'avait vraiment pas affaire à des spécialistes. Parfois, on testait même pas le jeu. C'est-à-dire que parfois, les journalistes testaient juste la cohérence du fait qu'ils sortent ou qu'ils sortent pas. C'est un peu incroyable. Voilà. Voilà, oh là, puis la manette Master System. Je vous la montrerai en incruste, mais pour ceux qui la connaissent pas, mais elle est juste infâme. Elle a un espèce de carré directionnel qui est juste pas adapté à ce genre de jeu, mais vraiment pas. Peut-être pour ça que personne n'a voulu sortir de jeu. Enfin, il y a eu des jeux d'aventure sur Master System, mais c'est vrai qu'il y a eu bien moins de RPG que sur NES. Et d'ailleurs, j'ai aussi YS, dont je ferai sûrement une review aussi. J'ai mis End, d'accord. Je vais vous montrer la sauvegarde qu'il y avait dans la cartouche quand j'ai acheté le jeu. Je sais plus où il est exactement. Ah oui, d'accord, il est au début. Ok. Bon, je croyais que c'était une sauvegarde qui était un peu plus avancée. Je suis un peu déçu du coup. voilà ce qu'il y avait à dire sur ce jeu. Que rajouter? J'espère que ça vous aura plu, au moins de découvrir ce jeu qui est vraiment galère. C'est pas que moi qui suis mauvais. Même si je suis pas bon, hein. Attention. J'espère pouvoir m'améliorer. J'aimerais que vous puissiez aussi me communiquer les principaux problèmes que vous voyez dans ce test. Je sais pas, ma façon de parler, ma façon de chercher mes mots systématiquement, des choses comme ça. Et si vous avez aussi des demandes hein, de jeux que je pourrais tester, ou de consoles sur lesquelles je pourrais tester certains jeux qui, moi, vont m'intéresser, en tout cas... Bon, d'accord. Ok. je vais pas chercher plus longtemps, je vais vous laisser sur la démo, et voilà, vous dire au revoir, et surtout, n'hésitez pas, si vous êtes rétro gamer et que vous savez pas trop sur quelle console vous lancer, ou si vous êtes en recherche de jeux actuellement, n'hésitez pas à faire les RPG de la Master System. Il y a vraiment des perles. Il y a celui-là, il y a YS, enfin Y'S, je sais pas comment ça se prononce, j'ai un peu peur de mal le prononcer. Et voilà, ça fait partie des jeux. Il y a aussi Psycho Fox en jeu de plateforme qui est excellent sur Master System à tester. Voilà, et n'hésitez pas à mettre des j'aime si ça vous a plu. Et voilà, salut à tous!